On est arrivé. On est arrivé, les gars. Ouais. Y'a des vaches. Ouais, on est arrivé. Y'a des vaches. Je trépasse. Pourquoi le Bloody? Parce que tout simplement parce que c'est un festival fantastique dans tous les sens du terme. Au-delà de ça, c'est un festival populaire. Moi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est devenu vraiment le festival populaire. C'est un festival qui s'adresse à tous autour d'un univers qui n'est pas si particulier que ça, le cinéma fantastique. Et on peut croiser des cosplayers, des illustrateurs, des auteurs. On a vraiment un pop-up éclectique autour de cet univers qui est sublime, qui est superbe. Chaque année, c'est 365 jours de ce travail, de combat au quotidien. Mais c'est vrai qu'on prend vraiment plaisir à voir, en plus on a le soleil. Puis toutes ces personnes de tout âge qui sont réunies au sein du festival, qui partagent plus ou moins la même passion. On a beaucoup de gens néophytes qui viennent pour la première fois et on s'aperçoit vraiment que le festival grandit comme un enfant et on arrive vraiment à terme à avoir vraiment un festival reconnu au niveau national, international et surtout au niveau local. Parce qu'on a besoin vraiment de ramener du local. Encore beaucoup trop de personnes connaissent peu le festival, voire pas du tout. Le plus dur en fait c'est travailler avec trouver l'argent. L'argent c'est un peu le nerf de la guerre comme me disait il y a quelques temps lors de la première édition Philippe Nahon. Le nerf de la guerre pour tout le monde, hein, c'est un investissement et à un moment on ne peut pas faire toujours avec la même somme. Le festival grandit, tout augmente, il y a l'inflation qui fait que voilà quoi, une salle il faut la louer, un chapiteau ça se loue aussi, on a la sécurité. On ne se rend pas compte mais c'est un gros budget, le festival est devenu un gros budget. L'année dernière on est rentré dans nos frais. Il fallait attendre quand même 8 ans. Et l'année dernière, c'était vraiment une année fatidique pour moi. Je rentrais dans mes frais ou j'arrêtais en fait, tout simplement. Quoi, parce que ça demande tellement d'énergie. Et la santé en a pris un coup. Le mental aussi. J'ai même touché plus ou moins la passion aussi. Quoi. Pas perdu la passion, mais la foi en fait envers ce cinéma-là. Et c'est pour ça que l'année dernière, ça m'a revigoré de voir qu'on a fait 5000 entrées, que c'est un festival. Je remets au mot populaire. Parce que comme on s'en aperçoit, vous en apercevez bien, ça va de 5 ans jusqu'à plus de 77 ans. Et je suis heureux en fait. J'ai réussi à... C'était pas gagné d'avance. Oui, on essaie de voir pour faire venir Robert Englund l'année prochaine. Monsieur Freddy Krueger, entre autres. Ouais, parce qu'il a fait d'autres choses que Freddy. Et puis après, pour le jury féminin, je peux pas trop vous dévoiler. Il y aura de belles surprises. Voilà, en tout cas, je suis super content d'avoir mes invités présents cette année. C'était pas évident hein, avec les grèves, etc. Chaque année, c'est un petit peu mon stress du quotidien. Parce qu'on annonce des gens, on communique sur ces gens-là et le jour J, il peut y avoir des imprévus. Voilà, des imprévus. Et là, ils sont tous présents. Et ils sont tous gentils, ils ont le cœur sous la main. Enfin voilà, on a toujours eu des invités vraiment formidables. Le cas de le dire. Et vous êtes formidables aussi. Nous sommes formidables. Voilà. C'est le monsieur qui a réalisé le remake de Vendredi 13. Donc il est content d'avoir quelqu'un en jazz. Okay. All right, here we go. Jason, do something scary. Here. Ready? Here, right here. Ha! Ha! He's my guy. So go ahead. He was too young to see that one. You know, you have to see those movies in their time. And when the first movie came out, people didn't know, they did not know what hit them. And so when we did ours, I guess,
they already had a lot of expectations, and that's really hard. You can never repeat the impression of the first time, you know. Daniel Pearl, the cinematographer, he's a really good friend of mine, and he DP'd the original Texas Chainsaw Massacre. Oh, yeah, so when I told him that they offered it to me, I was very upset. I said, it's sacrilegious, nobody should ever remake it. And Daniel said, you know what, you gotta make it. And I said, well, why me? And he says, because you're gonna hire me, and I will make the same movie twice. Once at the beginning of my career, and then another one at the end of my career. So I told him, I said, it really has to be like snuff. It has to be grainy and gritty and like, you know, even more than the first one. And then when the dailies came and it looked really, really pretty. And I go like, Daniel, that's not really what we talked about, is it? You know, it's beautiful and everything. And Daniel said, well, you know, I've done the other stuff, so I want to show what I learned. And then I said, you know, maybe there's something to it to make a movie that is very, very violent, but do it in a very poetic kind of a way. And I wanted every death to be poetic. Like, for example, this one girl, Pepper, she gets killed with a chainsaw and she's wearing a down jacket in the middle of the summer in Austin, Texas. And it was because I wanted it to look like a winter wonderland, you know? So every death had something to it that made you want to see it and not look away. Yeah, okay, very interesting. Tell us about this shot where this woman is killing herself and then the camera goes down and it's absolutely amazing. Yeah. So how did you do that? Well, it became somewhat of a signature shot, and I storyboarded it, and it was the only thing that I showed when I went after the movie, and I showed it to Michael Bay. And he's a guy who like destroyed the planet now five times, right? Really? Like almost more than Roland Emmerich, right? And so I show it to him and I explain to him the sequence. He's like, oh. And I realize the guy's really squeamish. You know, he's an action guy. He's not a horror guy. So so it made an impression on him. Okay. And then, you know what? I really got to run because I got a judge at the festival. They're waiting for me. Unfair to my colleagues. Okay. All right. Thank you so much. Hey, it's my pleasure. Thank you. Yeah, take care. All right. Bye-bye. This is not gonna look good because the camera has to be eye level for me. Understand? Nobody's listening to me. The camera should be eye level for me. No, it's not good. C'est pas mon matériel. Partiano bene. Allora, qui. Là-haut, più alto, qui. Capito? Così. Così, okay? Va bene. Yeah, I think it's at the highest already. But we need to go more higher. Here, take this. Sure. It's maximum. Maximum. It looks like that. Ta-da! Bravo, madame. Merci beaucoup. See? Can I hold the mic? It's good. Sound is good. I don't want to eat the mic. No. Aki. It's good here? Yeah. For sound. It's good for sound, yeah? Yeah. Mamma mia. Awesome. You are on Star Trek? This is like 69. I was having lunch. Somebody came over to me and says, you're the hammer, right? I says, yeah. We need somebody to beat up Captain Kirk. In the next scene, can you do this? Oh yeah, no problem. I go kick his butt, and I did. And that was it. I didn't want to be Star Trekker. I just like to kick somebody's butt and get paid for it. That was Kirk. Yeah. Awesome. Well, I don't understand what black exploitation means. It was a money-making proposition. But the only reason I survived it, because all the other black actors were making vengeance movies. Let's kill Whitey, let's get Whitey back. I kill white people, black people, yellow people, pink people. I kill everybody in my movies. So they couldn't call my film a black exploitation movie. They were forced to call it an action movie. So that's how I survived. That's how I still make movies. And all those guys who were making movies back in the day, like Jim Brown and Roundtree and Billy Dee, they all disappeared because they were making, you know, revenge movies, get Whitey. So that didn't work. I knew that was not gonna work. What would be the top three movies you are the most proud of? My top three movies are the top three that I ever done. I only do what I like. I don't do nothing I don't like. I don't work for the money. Okay. I work so you're for proud the, of everything. I work for the image. Okay. Okay?
I don't dance in the movie. I don't sing in the movie. I don't tell jokes in the movie. I kick butt and kiss the girl. And you do it good. And kiss the girl. So I'm a good, yeah. I'm a good bad guy or a bad good guy. Depends on how you look at it. What is Bronson? Is he a, was he a good guy or a bad guy? Even though he was shooting people, yeah. Was he a good guy doing that or was he a bad guy doing that? You know? Yeah. Grazie, grazie. Take care. Alors, moi, si je devais choisir un film de chevet, ce serait le Vendredi 13 de 1980. C'est un film que j'avais vu plus jeune, je devais avoir 11-12 ans, un lundi soir sur les nuits de Sangria sur la 5e chaîne. Ça remonte, hein, ça devait être 1986-1987. Et c'est le film qui m'a tout bonnement le plus traumatisé. C'est simple, j'en ai pas dormi de la nuit. Et c'est le film qui est responsable aussi de ma passion pour le cinéma d'horreur, pour les slashers et pour les maquillages un petit peu old school, vu que c'est Tom Savini qui avait fait tous les maquillages, les effets spéciaux, et qui était extrêmement réaliste. Donc le film, voilà, c'est celui qui m'a le plus marqué. Le fait de voir une femme en plus tueuse, c'est quelque chose de plutôt rare. Et à titre personnel, je ne m'attendais absolument pas à ça à la fin du film. Et le choc a été encore plus rude, je pense. Donc super intéressant comme film. Et c'est un film que je vois une à deux fois par an, sans gros problème, sans effet de lassitude et ces choses-là. Donc si vous deviez commencer par les slashers, je pense que ça doit être le film que vous devriez voir absolument. Moi, je vais vous parler d'un de mes films cultes. C'est très difficile d'en choisir un, mais... Je pense que je vais prendre Frankenhooker de Frank Henenlotter. J'espère que je le prononce bien. Ce film, j'ai découvert très très tard, il y a une petite dizaine d'années. Hein. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, il est sorti en 1990. Je l'ai découvert totalement par hasard. Il reprend le mythe de Frankenstein avec des prostituées, d'où le nom. Donc, pour faire court sur le synopsis, Jeffrey, qui est un jeune scientifique fou qui a été, si je me souviens bien, viré de l'université de médecine à cause de un peu d'immoralité sur ses expériences, qui tue par inadvertance sa petite amie. Et il décide de la récupérer la tête, mais il va essayer à partir de cadavres de la reconstituer, mais un peu de manière, comment dire, améliorée. Alors, on va dire avec des plus grosses poitrines, des jambes plus fine et plus longue, voilà, donc il va recréer donc cette petite amie à partir de corps de prostituée, ça tourne mal. On découvre un petit peu le monde aussi de la prostitution à New York avec les problèmes de drogue, avec tout ce qui est un peu pimp, mac, c'est assez, oui, assez glauque, assez immoral, mais fait, on va dire, dans la joie et la bonne humeur dans ce film. Il y a un côté très très burlesque, enfin, moi je suis surréaliste, je rigole vraiment aux larmes durant ce film, mais il y a un propos. Et donc oui, si ce film est culte pour moi, c'est qu'il m'a vraiment fait entrer dans le cinéma un peu artisanal, vraiment, avec des petits moyens, avec très peu de limites aussi, hein, dans le propos et dans le visuel. Je trouve qu'il vieillit très très bien, étonnamment, et vraiment c'est un film que je recommande pour une soirée entre amis, et à voir et à revoir, en fait. Voilà. Bonjour, alors moi je voudrais parler d'un film espagnol qui est sorti un peu dans l'anonymat cette année. C'est un film de Sergio Sanchez, un premier film pour lui en tant que réalisateur. Il a été scénariste sur L'Orphelinat, il me semble bien, et sur The End, un film espagnol qui était sorti directement en DVD. Je
pense que c'est un petit bijou. On peut le qualifier de film d'horreur dramatique. Ça ressemble fortement à Les Autres avec Nicole Kidman. Et je peux le conseiller pour les gens qui aiment les films glauques, tristes et qui aiment se faire peur, car le film fait assez peur. Les acteurs sont très jeunes, très bonne performance des acteurs, et c'est un film à twist, mais je ne dirai rien sur le film. Mon collègue l'a vu aussi, donc... Un film vraiment sans sensation parce que il mélange, comme il a dit Seb, plusieurs genres. Il y a des moments où on a peur, il y a des moments où on est triste, il y a des moments où il y a de la frustration. C'est assez varié et c'est ça qu'on aime musique dans ce film. Voilà, avec une musique assez intéressante aussi. Ce qui est intéressant, c'est là aussi, c'est la performance des jeunes acteurs qui excellent et qui ont été révélés dans différentes œuvres. Par exemple, il y a un acteur fétiche de la série Stranger Things, un jeune. Il y a Anya Taylor-Joy qui a été la pépite du film Split de M. Night Shyamalan. Et tous ces jeunes talents, la fille qui joue en Cure for Life, tous ces jeunes talents ont chacun apporté un peu de leur travail, de leur jeune travail, pour pouvoir apporter aussi un côté plus mature, plus sérieux, plus rigoureux, et on sent quand même la qualité de travail pour ces acteurs, comme je dis, qui sont assez jeunes quand même. C'est assez impressionnant. Un film urgent à découvrir et à voir à plusieurs reprises, à voir deux fois impérativement. Voilà. Le film est à voir deux fois, mais vraiment, la deuxième fois, le film, c'est pas le même. On découvre énormément de choses la deuxième fois et on apprécie encore mieux le film. Donc voilà, si la personne qui veut le voir, je le conseille plutôt de le voir deux fois et même d'affilée. Voilà. Voilà pour Le Secret des Marrons. Bonjour Xavier. Bonjour. Tu as déjà une belle filmographie. Il y a un truc qui m'a interpellé, c'est que tu as commencé à bosser avec des gens comme Tsui Hark et Ringo Lam. Ouais, exactement. Raconte-nous un petit peu ça, parce que nous, on est aussi des fans de Hong Kong. Ça a commencé quand j'étais stagiaire, c'est-à-dire que je cherchais du taf sur des films, et j'habitais dans le sud de la France, et j'ai eu la chance, je crois que c'était en 95 ou 96, que Ringo Lam vienne tourner Maximum Risk dans le sud de la France. Et donc moi, je me suis retrouvé à travailler sur le film, à être stagiaire, à bloquer des portes, à prêter ma bagnole, genre de choses, à aider un peu l'équipe sur le plateau. Et l'année d'après, ils sont venus tourner Double Team avec Choi Hark.
Donc moi qui connaissais bien le cinéma hongkongais, bah forcément je me suis retrouvé embarqué sur ces films et c'était une super expérience. Tu es aux anges là ? Bah c'était génial, c'était génial. Bah après je travaillais donc j'essayais de faire mon boulot mais en même temps j'essayais de tendre un peu l'oreille, regarder ce qui se faisait et je voyais la manière dont Chayark travaillait, dont Ringo Lam travaillait avec beaucoup d'énergie, demandait toujours à ce que les choses aillent plus vite et je trouvais ça fascinant. Mon premier film c'est Frontières, bah, ça s'est passé assez, de manière assez naturelle, en fait je l'ai écrit et je trouve que Canal+ sont vite venus dessus, on a vite trouvé un distributeur et en fait le film s'est monté très rapidement tout seul et donc je suis parti, j'ai eu l'idée en 2004, le temps de le monter, il a été tourné en 2006 et il est sorti un peu après parce que j'ai fait Hitman entre temps donc ça a été très vite. C'était assez violent, tu as eu des problèmes de censure hein? Ouais, il y a eu des problèmes de censure parce que le film était vraiment très trash, on s'est pris un moins de 16 avec un avertissement. Mais en même temps, j'ai fait le film que je voulais, puis j'étais un peu inconscient, tu sais, j'avais pas 30 ans, donc je me suis vraiment beaucoup amusé en faisant le film. Bah, Hitman, ça a été proposé par Luc Besson très rapidement à la fin du tournage de Frontières. Je pense qu'il a beaucoup aimé ce qu'il a vu de Frontières, et à ce moment-là, il m'a dit, bah tiens, j'ai un script d'un jeu vidéo, si t'as envie de le faire, c'est pour toi. Et il m'a donné une liberté absolue sur le tournage pour faire le film. Donc j'étais vraiment étonné parce que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus compliqué. Et après, je me suis retrouvé aux commandes d'une énorme machine, et je pense que j'étais trop jeune à ce moment-là. Aujourd'hui, je l'aurais appréhendé différemment. The Divide, ouais, c'était un projet où j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus personnel. Je voulais chercher quelque chose de très sombre. Et en fait, quand j'ai travaillé sur le film, je me suis très bien entendu avec le co-auteur Aaron Sheen. Et on est devenus amis. Et en fait, on a vraiment pu faire un film incroyable, avec beaucoup de liberté. Ça a été un film, une super expérience. The Divide, c'est vraiment une de mes expériences de tournage préférées. Et ça a été tourné où? Parce que les décors sont incroyables. Hein. The Divide, oui. C'est tourné en studio au Canada, Winnipeg. Ouais, c'est que du studio, sauf la scène d'intro qui est dans un immeuble de Winnipeg et la scène de fin qui est complètement de la post-prod. D'accord. Alors on est au Bloody Weekend, donc ce soir on va découvrir Cold Skin. Ouais, exactement. On va en parler sans spoiler. Bah, Cold Skin, c'est une grande histoire d'amour c'est un film sur les sirènes. C'est un film qui m'a pris 6-7 ans. Et je me suis vraiment éclaté à faire ce film en fait. Ça a été incroyable. Vraiment, je trouve qu'il y a eu c'était une belle aventure. Cold Skin, c'est mon film le plus abouti, je pense. Ouais. Il y a eu des bons retours sur le film un peu. Bah, j'ai beaucoup de très bons retours, je suis très content, j'ai fait le film que je voulais. Et en fait, mon combat aujourd'hui, c'est de faire des films où j'ai le contrôle créatif. Parce que ce soit Frontières, The Divide ou Cold Skin, c'est les films qui sont le plus encensés par la presse et c'est les films où j'ai eu le contrôle créatif absolu. Donc je ne veux plus aller faire de machines hollywoodiennes ou produits ou de la commande. Je fais mes films maintenant et je m'éclate. C'est bon ? C'est parti. I had several nightmares as a little kid. I was dreaming of a lady in a black cloak on a cemetery. And that was the image that resulted in the whole story of Lauren. I was very much influenced by Roman Polanski's films, like Le Bal des Vampires, et Répulsion, et Le Locataire, many Hitchcock films, and some great British classics, like The Innocents, and some Hammer horror films, the Terence Fisher Colors from Dracula. That was my inspiration, and the French painter Marc Chagall was a very, very big influence. Only later I saw the Mario Bava films and recognized the similarity. Okay, thank you. Va okay, it was okay, c'était okay.
Alors moi je vais vous parler d'un film que j'ai vu l'année dernière et que mon ami Seb n'a vraiment pas aimé, donc c'est pour ça moi j'ai adoré. C'est Mother de Darren Aronofsky avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris et Michelle Pfeiffer. C'est un film qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il a eu des réactions assez mitigées en fait. C'est soit on a adoré, soit on a détesté. Et on peut pas donner un juste milieu à ce film, c'est entre le côté vénérateur pour certains comme moi, où il y en a certains qui haïssent ce film. Et c'est ça qui est intéressant, j'aime beaucoup moi les films justement très qui sont assez dans la polémique en fait. Alors c'est quoi Mother? C'est un couple qui vit seul dans une maison un peu isolée du reste du monde on va dire. Et l'arrivée d'un autre couple dans la maison va créer quelque chose d'assez bizarre on va dire. Ça va engendrer l'arrivée d'autres personnes. Ça va jusqu'à l'enfer entre guillemets. Ça va créer quelque chose de sensationnel à la fin. Moi ce que j'aime dans ce film c'est assez humain on va dire. C'est que c'est un film où on se retient beaucoup au début. On se retient comme dans la vie en fait. Face à certaines frustrations on se retient jusqu'à un moment où on explose. Et dans ce film, on se retient, on se dit « putain, on peut faire quelque chose, putain, si j'étais dans le film, j'aurais fait ça ». Jusqu'à la fin où le personnage principal explose, entre guillemets, et on explose nous aussi dans notre vie. C'est ça que je voulais dire en fait dans ce film, c'est que le film est assez humain et assez vivant, c'est que... On est dans un monde où on a pas mal de d'obstacles à franchir et on est assez réticent, on est assez réservé jusqu'à un moment où la colère nous dépasse et on finit par exploser. Et c'est ce film-là que je conseillerais parce que c'est un film assez, je dois dire, religieux parce que je me suis retenu pendant toute la salle, j'étais assez stressé jusqu'à la fin où j'ai explosé avec Jennifer Lawrence, j'ai explosé. Il y a une effusion de violence dans ce film qui est vraiment fascinante, je trouve, à la fin. Et le message porté par le réalisateur est assez intéressant parce qu'il y a différents messages, en fait. Il y a le message, on va dire, religieux, il y a un message écologique aussi qu'il a affirmé. Il y a différents messages et c'est ça qui est bien, c'est que chacun voit le film différemment. Et c'est le film que je conseillerais de voir et il faut absolument le voir. Et comme je l'ai dit, soit on va adorer, soit on va détester. Donc allez voir Mother. Donc mon film coup de cœur du moment, c'est un film néo-zélandais de 1983, réalisé par Geoff Murphy. Donc c'est une sorte de western, film d'aventure et un peu fantastique. C'est vraiment super, ça faisait 35 ans qu'on ne l'a pas vu. Et voilà, je le conseille à tout le monde. Mon film culte, je pense que mon film culte, je serais bien tenté de citer Police Fédérale Los Angeles de William Friedkin, To Live and Die in LA en anglais, qui fut un grand choc quand je l'ai découvert en VHS dans les années 80. Je me souviens que c'était un film qui était adoré par Starfix, j'étais un grand lecteur de Starfix aussi déjà à l'époque. Et donc Police Fédérale Los Angeles, c'est une adaptation d'un roman de Gérald Petievich qui est co-auteur du scénario. Le roman c'est To Live and Die in LA aussi et qui est paru en France dans la collection Série Noire à l'époque sous le titre Voir Los Angeles et mourir. Alors parler de ce film un peu dans le cadre du Bloody Weekend, ça peut paraître incongru parce que ce n'est pas un film fantastique, ce n'est pas un film d'horreur, bien qu'on peut faire quelques corrélations, notamment vers la fin. C'est surtout un polar sec et violent. J'aime bien les polars secs et violents avec un petit côté, on va dire, il y a quelque chose de naturaliste, je trouve, dans la mise en scène de William Friedkin. On peut noter que le film est entièrement monté en cut, à part lors du générique de début, il y a une sorte d'ouverture en iris. Et ce montage en cut donne toute la sécheresse du film, en fait. Et je trouve aussi que le film me fait énormément penser à du Antonioni. Et si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, je pense même que William Friedkin fait référence à Antonioni dans le commentaire audio du DVD Zona.
Gérald Petievich, l'auteur du roman original, c'est un ancien agent du Trésor qui a écrit plusieurs romans policiers, dont certains ont aussi été adaptés au cinéma, notamment par James B. Harris, Extreme Limit, je crois, avec Wesley Snipes, et un film assez mineur, La Sentinelle, avec Michael Douglas et Kim Basinger. Et Police Federal Los Angeles, c'est un peu la description de ce travail d'agent du Trésor. De ces agents du service secret. Comme je le disais, il y a quelque chose de très naturaliste, il y a quelque chose de... On est à la limite du documentaire dans la mise en scène de Friedkin, qui souvent... Il y a beaucoup de plans fixes. En fait, les plans sont très longs. Quand on regarde bien, c'est pas surdécoupé. Et c'est surtout ce montage cut qui donne cette sécheresse, cette impression que le film est très découpé, alors qu'en fait, non. Et il y a aussi quelque chose dans ce film qui est absolument époustouflant, qui est cette fameuse poursuite en voiture. Alors moi, il y a un plan qui me bluffe à chaque fois. C'est le premier plan qui ouvre la poursuite, qui est un plan de grue. Un plan de grue, on commence sur une voiture et la caméra descend, panote, et rattrape une voiture plus bas, en dessous du pont. Et je suis absolument bluffé par ce plan. Je ne sais pas encore comment il l'a fait encore aujourd'hui. Je me demande comment ils ont pu faire ce plan, qui est absolument parfait en fait, hein. On peut trouver quelque chose de fantastique dans Police Federal Los Angeles, notamment à la fin. Il y a ce personnage incarné par Willem Dafoe qui est un personnage, on peut dire, corrupteur, séducteur, et par quand il fait sa fausse monnaie, on peut dire qu'il corrompt les gens. Et dans cette scène finale, qui est un peu une séquence de passation de pouvoir, on peut entendre dans la musique des voix, des âmes damnées. Et pour moi, quand il brûle son atelier de fausse monnaie, c'est comme s'il libérait ses âmes damnées. Et il y a aussi cette passation de pouvoir, quelque part, entre lui et le personnage incarné par John Panko, si je ne me trompe pas, qui finalement devient aussi comme Richard Chance, une sorte de flic un peu pourri, un peu tête brûlée. Et il faut savoir aussi qu'au départ, tout le monde le sait, hein, c'est en bonus dans tous les DVD et Blu-ray, le film était jugé trop noir par la production. Ils ont tourné une autre fin qui ne fonctionne pas du tout, vu qu'on le personnage, on retrouve les deux personnages vivants quelque part en Alaska, parce que les producteurs trouvaient que oui, la fin était trop noire, quoi. So I'm talking to the audience. Yeah, absolutely. Yeah. Hey, lady, Jerry Lewis is dead. I'm JL. I'm from New York. Are we rolling? Rolling. He's not rolling. Squirm. In French, the night of the living worms. So, really, the night of the living worms? Yeah. So they ripped off night of living. French title. That's Nuit des Vergers. No, I don't like that. I mean, if you think about it, living worms, living dead. When we're going to be dead, the worms will be alive. They're going to get us. Mm-hmm. All of us. And as a matter of fact, I'm the Adolf Hitler of worm killers. You know how many worms we killed? 250,000 worms. Really? Yeah, can you imagine that? So when I die, the worms are going to go
That's him. Let's get him. They're waiting for you. Yeah, they're waiting right now. They're waiting for you. Yeah, they have my picture all over their worm caves right now. Incredible. So any story on Squirm, how difficult was it to shoot with worms? Oh, yeah, they worms don't take direction well, you know? The only thing they know how to do is wiggle. Mm-hmm. So you, to get them to wiggle left or wiggle right, that's the trick. And you know how we did it? We had electricity. We wired the floor with wires, and then we hooked it up to a transformer. And then when I said action, they zapped them. Okay. And all the worms jumped up. Excellent. And then the next take, I said action, and they jumped up not so high. They just... Okay. And the next one, they kind of quivered and smoke started coming out. And then a guy came in with the snow shovels and shoveled them out and spread out new worms. Wow. Isn't that disgusting? Yes. What I do for a living, ugh. It's also disgusting in the movie, so you get the great effect. Yeah, that's how we got the effect. Okay. True story. And all you animal rights people out there, I feel terrible that we did this. I would never do this today. I just was not enlightened by you. All right, thank for you. Your availability today. Thank you. Boulevard du Cinéma. Okay. Cut. Take care. C'était la sortie de Saint-Ange qui a été plus douloureuse pour moi, parce que c'est un film qui à l'époque n'a pas été très bien reçu. Même si aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me rends compte que le film a fait pas mal d'entrées pour ce qu'il était, c'est-à-dire une sorte d'ovni comme ça dans le cinéma français, un film très sortant un peu du carcan du cinéma français. C'est une sorte de manifeste gothique, une tentative de film de fantôme français qui contenait tout ce que j'aimais le plus, moi, en tant qu'adolescent, dans le cinéma des autres. Donc c'est un vieux souvenir, Saint-Ange. Je suis pas sûr d'aimer le film beaucoup aujourd'hui, mais je ne le renie absolument pas, mais c'est un peu comme un premier enfant, c'est pas forcément le plus beau, je sais pas. Mon grand film, je sais pas si c'est mon grand film, mais en tout cas au Bloody Weekend, c'est le film dont tout le monde me parle. Ouais, il y a 85% de martyrs. J'avais tellement conscience que j'étais en train de faire un film qui serait fait en partie contre le spectateur, contre celui qui le regarderait,
en lui balançant comme ça une énergie un peu désespérée et presque insupportable pour lui, que je me disais vraiment d'une manière très candide, à la fois candide et vraiment et réelle, innocente, que ça serait mon dernier film, que ce film-là, personne ne me le pardonnerait jamais, et que c'était une sorte de baroud d'honneur, comme ça, tu vois, après la déception de Saint-Ange. Je l'ai fait dans un rapport un peu douloureux, c'est pour ça que, d'ailleurs, que le film peut-être a fini par toucher les gens, c'est parce que je l'ai pas du tout fait dans une posture. C'est un film, j'ai jamais fait mon malin en faisant ce film-là. Je l'ai fait dans un état aussi désespéré que le film l'était. Et ben, c'est évidemment comme ça, sans le savoir, que j'allais rencontrer l'émotion des gens, et que les gens ils m'ont renvoyé un truc complètement inattendu, qui était plutôt sur l'émotion que le film leur a fait ressentir. Et ben, c'est vrai que ouais, une dizaine d'années plus tard, c'est un film dont tout le monde me parle. Donc c'est assez chouette de faire un film dont tout le monde te parle. J'ai l'impression que le film d'après, The Secret, je le fais aussi contre Martyr, de la même façon que j'ai fait Martyr contre Saint-Ange, et que je fais Ghostland contre The Secret. Si tu veux, quand je travaille 2-3 ans intensément sur un film, après je l'ai tellement vu, je l'ai tellement fabriqué, que je peux plus le voir, et je n'en vois que les défauts, et que l'une de mes énergies à faire le film suivant, c'est pour gommer les défauts qui, moi, m'apparaissent comme le nez au milieu de la figure de mon film précédent. J'ai pas de rapport j'ai pas de rapport de fierté avec ce que je fais, parce que je suis trop cinéphile pour ça. Je préfère toujours vraiment les films des autres, tu bien placé pour le savoir, j'essaie toujours de me corriger, et que c'est ça qui lance le film suivant. Tu vois, pas là, par exemple, je suis en train d'écrire un film de monstre parce que je me rends compte qu'en 4 longs métrages, j'ai jamais vraiment fait un pur film fantastique. Vraiment. À chaque fois, ce sont des films métaphoriques qui parlent de psychologie, mais Ghostland, c'est encore un film sans aucun surnaturel. Et tout d'un coup, je me dis, mais le seul truc vraiment fantastique que j'ai fait, c'est le vidéoclip avec Ben Farmer, qui est effectivement un exercice, une tentative de pur fantastique. Et j'aimerais bien tenter ça à l'échelle d'un long métrage, et parce que je crois qu'il y a un truc qui m'angoisse là-dedans, il y a un truc que j'ai peur de rater, peut-être que ça vient de mon côté cartésien français finalement, que je suis plus français que je ne, malgré mes goûts de cinéma, que je ne le voudrais, et là j'aimerais bien tenter le coup du fantastique qui ne s'excuse pas de l'être, quoi. Je sais pas comment on peut continuer à aimer les films qu'on fait dans la mesure où on les voit des centaines de fois, on les fabrique plan par plan, et je sais pas comment on peut être dans un rapport de fierté ou de satisfaction quand on fait un film. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Parce que moi, au bout de 2 ans, je ne peux plus les voir en peinture, mes films. Quoi. Puis je sais très très bien ce que j'ai foiré, ce qui passe tout juste. Ce qui est d'ailleurs en général pas ce que le public vient te dire. Parfois, les gens viennent relever des défauts de mes films, quoi, avec lesquels je ne suis pas d'accord, et ne me parlent jamais de choses que moi je déteste dans mes films. Évidemment que je ne dis pas, mais c'est plutôt ça qui me donne l'énergie de faire le film suivant. Ouais. Mais je les aime tous, hein, j'ai un rapport très... Je suis très réconcilié avec mes films. Celui que j'ai du mal à encaisser, c'est Saint-Ange, parce que je trouve encore une fois qu'il tombe dans tous les travers de ce... En tout cas pour moi, de ce que c'était qu'un premier film de quelqu'un qui était trop chargé par ses références au cinéma, sa cinéphilie, et que d'une certaine manière, il fallait que je m'en débarrasse, il fallait que je passe par ce film-là. C'est pour ça que c'est pas du tout un reniement, j'aime ce film, c'est une partie de moi ce film, mais j'ai pas un rapport très, très, très affectif avec lui. Martyr et Ghostland ont été les deux films les plus durs à faire. C'est comme par hasard les deux plus violents et les deux plus sombres, mais pour des raisons à chaque fois très différentes. Mais tu sais, moi, comme je fais partie des metteurs en scène français qui doivent s'exiler pour des raisons de crédit d'impôt, je suis toujours obligé de partir à l'étranger pour tourner, et éventuellement en langue anglaise. Ça fait que moi, je débarque dans des pays où c'est moi l'étranger, où je suis obligé de monter des équipes de gens que je ne connais pas. C'est un peu comme si un Canadien arrivait à Amiens ou à Lille, et qu'on lui disait, tu vas devoir faire ton film, attention, il faut que ce soit un super film de cinéma qui sort partout dans le monde, mais tu vas le faire avec des techniciens de Amiens et de Lille. Alors, il y a sans doute plein de chouettes mecs à Lille et à Amiens pour faire du cinéma, mais on les connaît pas quand on arrive. Donc on caste ces comédiens, ces techniciens comme ces comédiens, et c'est un processus assez douloureux, parce que tant qu'on n'a pas fait le film, on ne sait pas si on s'entend bien avec eux. Donc moi, à chaque fois, je me retrouve avec des équipes de parfaits inconnus. Et alors, avec certains, ça marche formidablement bien. J'avais une équipe caméra, par exemple, sur Ghostland, qui était formidable. Et puis, il y a des secteurs où ça ne marche pas du tout. J'ai eu d'immenses problèmes avec mon équipe costume, par exemple, sur Ghostland. Ça ne marchait pas. Ça ne matchait pas entre nous. On ne se comprenait pas. Mon équipe machinerie m'a posé beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc ça finit par déterminer ensuite le style de ce qu'on fait. Hein. Mais c'est assez douloureux. Moi, je n'arrive pas à voyager avec ma famille de techniciens, ma famille de partenaires, quoi, avec lesquels je pourrais développer une relation de film à film pour pouvoir travailler d'une manière plus tranquille. À chaque fois, c'est très épuisant. Et pour ces raisons-là et pour d'autres, c'était très très dur de faire et Martyr et Ghostland si loin de chez moi finalement. Ghostland, l'interdiction en moins de 16 ans, Elle m'a beaucoup déçu. Je pense qu'il y a quelques années, ce film n'aurait pas été interdit moins de 16, il aurait été moins de 12 avec avertissement, mais la France se tend de plus en plus, elle ressemble de plus en plus à l'Amérique du Nord. On essaie de plus en plus de se faire passer pour un pays puritain, ce que, à mon avis, nous ne sommes pas du tout. Et c'est marrant parce que
j'ai des copines, j'ai des vieilles copines journalistes qui sont à la commission de classification et qui sont des vieilles hippies que j'ai vues fumer de l'herbe il y a 20 ans et qui viennent me dire non mais c'est quand même normal que ton film soit moins de 16, que tu sais, il est un petit peu dur. C'est même ces gens-là se sont durcis. C'est-à-dire que, et moi je me suis pas durci du tout et je me souviens de trucs fous, que ce soit au Festival du Rex ou. Moi je suis un enfant des années 70 et tu penses bien que je vois ce début de 21e siècle, comme un truc super réactionnaire. Hein. Je trouve qu'on est tous super crispés, quoi, à nouveau. Et qu'il faut à nouveau justifier, légitimer ce genre qui s'appelle l'horreur. Et qu'il faudrait. Moi, mon personnage principal dans Ghostland, il a 14 ans. J'aurais adoré que les petites françaises de 14 ans puissent voir le film, parce que le film parle d'elles. Et je suis sûr qu'elles recevront ce film, celles qui le verront, 5 sur 5. Elles sauront très très bien de quoi ça parle. Et donc je suis déçu qu'il soit moins de 16. Très déçu. Direction d'acteur sur Ghostland. Super, enfin, j'avais une troupe de comédiennes avec moi, ça a été ma plus grande force sur le plateau, c'est que j'avais 4-5 comédiennes, dont Mylène Farmer, Christelle Rey, toutes ces filles-là étaient. On a fondé une troupe, on était tous très éloignés de chez nous, au milieu des prairies dans la banlieue de Winnipeg. Vraiment, c'est le plein centre du Canada, c'est la région la plus froide du Canada. Et tout le monde était très loin de chez lui, et ça a fini par créer un effet de troupe qui a beaucoup servi le film et qui, moi, m'a sauvé quand ça n'allait pas bien, quoi. Mon avenir, regalérer, retrouver des financements, des producteurs pour un film sans doute en anglais. Enfin, on a beau parler chaque année du genre français, tout ça, en fait, profondément rien ne bouge. Hein. C'est pas parce qu'un film est nominé au César un coup, c'est pas parce qu'il y a des débats sans arrêt sur le genre à la française que concrètement ça change quoi que ce soit dans nos vies. Hein. C'est-à-dire que moi je finis un film, je repars complètement à zéro. Je cherche un producteur, je cherche des financements, parce que c'est au coup par coup, et que ce qu'on fait, c'est des prototypes individuels, tu sais, au prix d'une abnégation et de gros efforts. Et de toute façon, c'est facile pour personne de faire des films, hein. Mais c'est vrai que quand en France, tu veux faire du genre, pour aller vite, tu multiplies, si tu veux, les difficultés, tu les rends encore plus grandes, et c'est un Everest encore plus grand, tu vois, parce que... En plus de justifier ton scénario, tu dois justifier la nature même de ce scénario, qui en gros n'est pas une comédie ou pas un drame français ou pas du cinéma d'auteur français. Donc ça te rend tout de suite très isolé, très marginal. Et donc ouais, tu multiplies les difficultés. Mais de toute façon, c'est soit ça, soit je change de métier, je fais autre chose dans la vie, tu vois. Donc je te dis, je vais essayer de faire un film fantastique pur. Et je vais essayer de trouver un producteur, je vais trouver des financements, enfin, je repars à zéro. C'est-à-dire, tu sais, j'adorais être moi comme François Ozon et arriver à tourner un film tous les deux ans. Lui, il est arrivé à trouver son système de production et je lui envie beaucoup parce que moi, j'arrive pas. Et j'ai l'impression que mes petits camarades autour de moi qui font du genre, c'est pareil. On y arrive comme ça, comme à chaque fois comme des petits miracles, mais on n'arrive pas à trouver un système de production pérenne qui nous donne un ou deux coups d'avance et qui peut nous acheter un petit peu de tranquillité. Et tu vois, si j'avais trouvé ça, je te dirais, bah là, tu vois, en septembre, je vais tourner au Maroc un film. Enfin, tu vois, non, c'est pas ça du tout, quoi. C'est pas ça, tu vois. La mentalité française n'a pas changé. Non. Tu sens qu'il y a un public qui est là. Tu sens que. Parce que finalement, quand on dit que les films de genre français ne marchent pas, c'est pas vrai. Les trois quarts des comédies françaises, elles se plantent au box-office français. Et si un jour on produisait 70 films de genre français, on se rendrait compte qu'il y en a qui marchent, tu vois. Et moi, malgré l'interdiction moins de 16 ans, je finis quand même par faire, tu vois, 260 000 entrées, ce qui est très chouette, tu vois, pour un film qui coûte le prix d'une petite comédie française. Donc ici, il n'y a aucun péril dans la demeure. Tout ça, c'est des préjugés, c'est des idées que le cinéma français se fait de lui-même, si tu veux, et qui est, depuis 40 ou 50 ans, totalement périmétré, tu vois, en fonction de l'idée qu'il a de lui-même. Mais cette idée, enfin, ces règles-là, c'est pas nous qui les avons créées, nous, ça fait depuis 2003, j'essaye d'en sortir. J'y arrive un peu, tu vois, j'y arrive tous les 5 ou 6 ans, mais je fais bouger aucune ligne, tu vois. Super. Alors le genre français, ouais, c'est difficile.
You know, your phone just shocked me.